Bonjour et bienvenue à tous sur cette vidéo. Donc sur cette vidéo, ça sera l'étape 12 du Hannibal AirNav Tour du Vao. Donc c'est une étape au départ de Lorient, de l'aérodrome militaire de Lorient, et à destination de Deauville. Donc c'est une distance de 172 nautiques, donc ça sera un peu plus d'une heure. La particularité, c'est qu'on a deux niveaux à respecter. Donc, le niveau PR sur le si je prends l'air ou EG27 et un PR pour les autres. Donc, moi, je vais pas prendre tout à fait cette route-là. Donc, je vais faire un vol niveau 110, non, au niveau 100 PR et ensuite je descendrai au niveau 90 pour respecter les parités. En gros, je vais vous montrer par où je vais passer. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Donc je vais faire un départ de la 25. Ça sera un départ ARE. L'acide ARE. Ensuite, donc je prendrai donc la ROEG27. Par contre, dans ce sens-là, elle est impaire. Donc elle est normalement. Oui, ça elle est impaire. Attendez, non, 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 elle est paire. Donc là, il faut que je sois au niveau. Donc dans ce sens-là, elle sera paire. Donc quand on regarde la route, voilà. Donc la G27, on voit la flèche grise vers le bas, vers l'ouest. Donc ça, cette flèche-là indique les niveaux impairs. Donc là, je vais arriver là. Ensuite, je vais prendre niveau 90. Le niveau pair, elle parle niveau 100, je vais y arriver. Niveau 100. Et je vais aller jusqu'à au bord de Jersey. Jersey, je vais descendre ensuite au niveau 90 en suivant la RW N160 jusqu'à Cannes, au bord Cannes. Et là, ça sera le début de la Star pour Deauville. Donc ça c'est la Seed. Ensuite, voilà, donc c'est la. Donc moi je vais arriver sur le voir Cannes de Caen. Il va falloir que je sois à 3000 pieds. Ensuite je prendrai le cap 74 degrés. Direction le voir DVL, Delta Victor Lima 110.2. Parce que je vais atterrir sur la 30, la piste 30. Et arriver là, donc je vais tracer vers ce point-là. Et je vais tourner sur la droite pour récupérer la radiale 297 de l'ILS de la piste 30. Je vais juste voir comment il fait l'aérodrome. Donc d'accord. Ouais, donc j'ai pas de sortie, il faut que je fasse un demi-tour. Ok. Donc moi j'ai déjà rentré mon plan de vol. Donc mon plan de vol, ça sera. ARE, G27 en plus Jersey, ensuite la N160 et Cannes. Et Caen. Écoutez, on va rentrer dans l'avion. Donc là, on va aller dans l'avion, dans le MU260. J'ai déjà fait le plein. Et on va procéder à la mise en route vu qu'il n'y a pas d'ATC pour l'instant. Non. Pour le repoussage, je vais le faire avec les reverse. Alors j'enlève le yoke. Je mets la batterie sur on. Inverter main sur on. J'ouvre les valves carburant. Je mets le transfert du carburant des ailes vers le réservoir central en automatique. On pourrait le faire en manuel, mais bon, je préfère le laisser en automatique. Ensuite, on va démarrer le moteur gauche. On va mettre ça. On va d'abord mettre les lights. Donc un beacon, strobe. Et on va démarrer le moteur gauche. Ok.
J'enclenche le générateur gauche. Ensuite, on démarre le moteur droit. Voilà. On enclenche le générateur droit. On peut mettre l'avion unique sur on et le transpondeur, on le met sur standby. On enlève l'alarme. Alors, le niveau de vol, on a dit 10 000 pieds. Je vais marquer FL100. Donc, on va mettre la fréquence du vent Alfa Romeo Echo, donc 112,5. Et ça sera la radiale 357. Leading sur 357, autant pour moi ça y était déjà. Ensuite, il y aura la Jersey à rentrer. Ça c'est 112,2. Le QNH, ah j'ai oublié le QNH, je vais vérifier ici. LFRG, non c'est LFRH. Donc le QNH il est de 1011. Alors 1011. Ça c'est bon. Alors on va mettre en marche ça, le trim, le yaw, ensuite le trim de l'aileron. Donc je mets un pion près, un sur la gauche, et pour le décollage, le trim de profondeur. Donc 10 000 pieds, donc je monte à 500 pieds, je tourne à droite pour intercepter la radiale 357. Je monte jusqu'à 10 000 pieds, jusqu'à Jersey. À Jersey, je commence la descente à 9 000 pieds pour avoir le niveau impair. Et à Cannes, il faut que je sois à 3 000 pieds. Ok. Je vais voir si. Non, j'ai pas de. Pour l'instant, j'en ai pas un. On va se mettre en 1000. Et je vais m'annoncer. Taxi to runway 25. Allez, on va procéder au repoussage. On va le faire à la mano. Des taxis.
Alors, au niveau. Ouais, donc j'ai bien mis le taxi, on va mettre le nav. Alors, on va mettre un peu de lumière. Mettre l'anti-ice, le girouage de la sonde pitot, l'anti-ice des ailes. On met les flaps au niveau sur take-off, donc sur 20 degrés. Et on y va. Ouais, j'aurais dû passer de côté, c'est pas grave. C'est pas grave, y'a personne. Allez, je suis au point d'arrêt. Ensuite, on va se mettre en halt. On va mettre les landings. On va couper les taxi lights. On va mettre ça sur take-off. Et je vais m'annoncer line-up and take-off. Voilà, là c'est fait. Vérifier qu'il n'y a pas d'ATC, toujours pas d'ATC, ok. Je vais mettre ça sur taxi et sur la piste je passerai en take-off par sécurité. Ouais, j'aurais dû arriver de l'autre côté en fait, j'aurais dû arriver par là. Pas grave. Allez, hop. Thank you.
Et c'est parti. Allez, rotation. Putain, ça c'est incroyable comme ça. Transponder set to active. Allez. Je rentre les trains d'atterrissage. Et je tourne à droite. Pourquoi il capte pas le radial? Bon, si ça recommence.
Par contre, je vais calculer mon top of descent. Donc, je dois passer de 9000 à 3000. Alors, je vais le calculer. Alors, de 9000 à 3000, donc ça fait 6000 pieds. Le ground speed, il est environ de, on va dire 200 nœuds, à peu près 200 nœuds. Donc, 200 nœuds fois 6000, divisé par 60 fois 1500 pieds par minute. Ça fait 200 divisé par 150. Attends, je me suis trompé là. Je me suis trompé. Et non, divisé par 15, pardon. Ça fait à peu près 10, un peu plus de 10, 10 nautiques, un peu plus de 10 nautiques. Donc 200 divisé par 15. Environ à 13 nautiques, donc on va dire environ à 15 nautiques. Donc à 15 nautiques du voile canne, du voile de camp, il faut que je commence ma descente pour être à 3000 pieds au voile de camp. Allez, on va se mettre en cruise. Passer à 80% du torque à peu près. Et ensuite je prends un cap, donc c'est 52 normalement. 52 degrés. 40, 50. Bon, mais c'est encore dans les nuages. On va couper les landings. Donc on est à 6 nautiques du Vore et après on prendra cap 52. Je vais baisser un peu de vitesse.
Allez, 52. Donc là, on se dirige vers le bord de Jersey. Jersey, donc c'est 112.2. Normalement, je crois que je l'ai préparé, 112.2. Ouais, c'est ça. Une fois que je serai stable au niveau du cap, je basculerai sur le Jersey. Environ 63 nautiques. Ah, ça me bouffe mes FPS, ces nuages-là. Là, j'ai enlevé ça. Le snow smoking, je vais le laisser, mais... Donc après Jersey, je prends un cap 93 et je descends au niveau 90.
Donc là, j'ai aucune scène du côté de la Normandie, tout ça. Vu que c'est la première fois que je vole ici. Alors, on va se mettre en heading. Basculer voilà, sur 112-20, on va attendre que ça se stabilise. Et on va rebasculer sur nav. Donc là, je suis à 52 nautiques à peu près de l'île de Jersey. On va passer au-dessus de l'océan, enfin au-dessus de la Manche. Mais comme il y a les nuages, on verra pas, dommage. Bon, ce que je vais faire une pause dans la vidéo parce que là il n'y a pas d'intérêt et je reprendrai juste avant la descente. Voilà, tout à l'heure. Donc là on arrive au niveau de Jersey et après on va prendre le cap 93.
là on est dans la zone anglaise. Ça a tourné. Donc là, il faut que je descende. Ok, donc là, on se dirige vers le bord de Caen. Donc Caen 114-45. Donc je vais le mettre là. On va passer, non, on va passer là. 114. Et environ 15 nautiques du Vore, je commencerai ma descente vers 3000 pieds. Allez, là on est stable, on va se mettre en heading pour changer de fréquence. Il y a quoi? Il y a 62 nautiques entre les deux. Moi, je peux attendre 30 nautiques. Ça fera mi-chemin. Allez, on réaccélère un peu. Bon, attendez, j'avais dit 200 nœuds. Je peux mettre 250 nœuds pour le top of descent. On va recalculer. 250 divisé par 15, ça fait 16 nautiques. 16 nautiques. Allez, 17 nautiques.
va changer de voie. Et après on repasse sur nav. Là, il y a une petite différence. J'ai baissé un peu les gaz. Je vais ralentir un peu avant d'entamer la descente.
Allez, j'entame la descente. Et après Cannes, il faut que je prenne Cap 74. 74. Je vais vérifier qu'il n'y a pas d'ATC. Allez, on passe à 1009.
et direction DVL 110.2. Là, on est au-dessus du coup de Caen. Je vais mettre un flaps one. Ensuite, l'ILS est 111.5. Alors, je mets 111.5. Voilà, je prépare. Donc après DVL, je poursuis le radial 74, je passe le heading et ensuite j'intercepte l'ILS. Okay.
Ok, donc on poursuit là. Après, on fait un virage sur la droite pour intercepter la radiale. 298 sur le log 111.5. Ça va être par là. Je suis à combien là? Je suis à nautique. Alors, on va se mettre en heading. On va changer de fréquence. Et en 298. J'ai pas la ILS. C'est embêtant là. 111.5. Ah non, c'est 111.5 l'ILS. Je suis con. Et à 11 nautiques, on tourne à droite.
on est à 10 nautiques, encore un nautique. Ça 99. Et dans l'ILS, c'est 111.5. J'ai un tout là d'un coup. Je vais récupérer la radiale DVL et ensuite l'ILS.
Petit problème. J'ai passé en auto. Je passe en manuel. J'ai un peu overshooté. Je vois pas bien la piste. Il y a du vent de travers. Il y a beaucoup de vent de travers. Transponder set to standby.
Donc on va prendre la prochaine en dur, la prochaine sortie en dur. Donc j'ai eu un problème avec l'ILS, la fréquence qui n'était pas bonne. Se mettre plus dégagé. Excusez-moi, j'ai eu un petit souci, je reviens, je suis revenu. Alors, stand-by. Landing. Oui, taxi. Et là, on va passer en taxi. Et sur l'IVAO. Voilà. Je mets taxi, le KID. Je remontre les flaps. Et on va aller se positionner au parking. Voilà, bah écoutez, on est bien arrivé. On va couper les moteurs. On va couper les lumières extérieures. Intérieur. Alors, transfert du fuel, on coupe l'arrivée du carburant, inverteur sur off. Générateur on, droite et gauche sur off, la VNX sur off et la batterie sur off.
Donc arrivé, donc 15h10, ça fait 13h10. Donc en gros 1h, 1h10, 1h15 de vol. Ben voilà, écoutez, je vous dis à la prochaine et sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. À plus.